Bonsoir, alors rigolons un petit peu avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est revenu ce soir sur le fait que, eh bien, que ce soit la presse, même les youtubeurs, etc., beaucoup de gens lui reprochent d'avoir fait la fête, comme par hasard, le lendemain de des très bonnes audiences qu'il avait fait avec le reportage sur la petite Lola. Donc, comme on peut voir, Thibault Le Floch, on avait fait un message hein, qui avait été liké plus de 60 000 fois, etc. etc. D'accord? Bon. Et donc là, bon, il se plaint, oui, alors oui, les mecs, ils font du putaclic, etc. etc. Alors je tiens à dire à monsieur Cyril Hanouna que ma vidéo n'est pas, quoi, ma chaîne n'est pas monétisée, donc j'en ai rien à foutre, moi, des clics ou des pas de clics. Moi, je dis juste ce que je pense. Et je pense que c'est pas sérieux. Je pense que, bon, on sait très bien. Ok, son kiff, c'est l'audience. Il passe son temps sur son téléphone, puisque bon, il le dit lui-même, il peut voir les audiences au quart d'heure près. Donc voilà, donc le fait de faire de l'audience sur l'histoire de la petite Lola, je trouve que bon, ben, il aurait pu y avoir un petit peu plus de retenue, et comme par hasard, ben, les chroniqueurs qui sont surpayés, bien sûr, eh bien, on dit à Cyril Hanouna qu'ils étaient d'accord, et que les mecs qui faisaient des messages comme ça, eh bien, on était des putaclics. Sauf que, on va rigoler un petit peu encore avec monsieur Cyril Hanouna, c'est que bah, quand il a un sujet, ben, voilà, il fait comme avec un citron, il le presse. Et là, il nous a trouvé donc une personne qui voulait quitter l'immeuble à cause du meurtre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et je suppose que lundi, il va encore nous trouver quelque chose au sujet de la petite Lola. Bon, je suis désolé, la pauvre petite, elle est décédée, on sait ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est regardez, c'est comme hier. Hier, il commence à nous teaser, oh là là là, alors on a les images, alors est-ce qu'on doit les montrer ou pas les montrer, etc. Il les avait déjà, il savait déjà d'avance qu'il allait les montrer, donc il a fait un genre de petit teasing comme ça. Moi je trouve pas ça très bien, mais bon, les gens sont tellement cons de pouvoir penser que, etc., etc. Bon, mais c'est pas grave, hein, donc voilà. Bon, alors pour répondre à monsieur Cyril Hanouna, donc bon, pour les putaclics, je tiens à préciser encore une fois, c'est que ma chaîne n'est pas monétisée, donc les clics, je m'en bats les couilles. Allez, et puis bon, bah, j'espère que. Bah, il a. Voilà, ça s'appelle de l'éthique, monsieur Cyril Hanouna. Allez, bye bye.